tu disais, on travaille avec 5 domaines pour l'instant. Sur la cuvée témoin qui avait été vinifiée notamment en Alsace sur le vin nature, et il nous a dit qu'en fait, il avait constaté que dans ses vinifications classiques, l'enchaînement des différentes fermentations, des différentes mesures, marquait des paliers. D'accord. Et que là, l'enchaînement se faisait de façon complètement harmonieuse et qu'il n'y avait plus ces paliers en face. Quelle levure commençait à vinifier et à s'épanouir, puis après se stabiliser, l'autre reprend. Voilà. Et là, il disait que sur la courbe, il avait une courbe qui était totalement harmonieuse et qui ne faisait plus ces escaliers en fait. D'accord. Ouais. D'accord. On sent, la plus grosse différence que je ressens, c'est sur l'aspect structure tannique. Oui, ouais. Donc c'est beaucoup plus satiné sur. Oui, il y a quelque chose de moins dur, plus velours. Qui n'est pas très grave sur celui-là non plus. Hein, mais oui, après, c'est pas très dommage qu'il n'est pas désagréable. Mais après. C'est plus long, enfin, ouais. Il n'y a pas photo entre les deux. Il y a un côté très aérien sur, une expression un peu plus aérienne de l'hugonache. Oui. C'est moins raide en fait. Hein. Ouais. Moi je le trouve un peu plus doux, un peu plus en bouche. Un peu plus en bouche. Oui, c'est ça, exactement.